Bonjour à tous, c'est Crisarion, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de Heart of Darkness. Alors je vous rafraîchis un peu la mémoire une nouvelle fois, on est à la recherche du dernier morceau de météorite qui était sur ce pont, justement au bout du pont. Donc voilà, notre chien Whisky est tombé dans les abîmes, on ne sait pas où il est passé. Et moi, je suis là et je suis mort assez de nombreuses fois, car en fait le boss arrive et me balance des grosses flammes que je ne gère pas du tout au niveau du double saut. Si jamais je vois que je ne gère pas du tout et que j'y arrive pas, hein, bah je recommencerai, il n'y a pas de souci. Ils vont pas commencer à m'attraper parce que sinon... Ça passe, ça passe. Allez, allez. Oh là là, ça passe. Allez, non, toi. Qu'est-ce que je suis censé faire quoi? Je vais au prochain. Ça continue. Oh là là. Bon, on est sur un nouveau tableau, c'est pas mal. Impeccable, ça passe. Oh putain, il y a les gros. Oh là, ça va être compliqué. Alors, le boss n'a pas l'air d'être actif pour le moment. Oh là là. Il y en a deux partout. J'ai pas le temps de voir qui c'est. Oh putain, je me suis fait choper par derrière. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Quelle misère. Bon, allez, on se reconcentre. Allez, lâche-moi. Nananer. J'adore quand ils font ça, c'est impressionnant. Bon, plus que deux. S'ils veulent pas me bouffer. Allez, on est parti. J'ai cru que je l'avais fait quand même un peu tôt, mais a priori ça passe. Là derrière moi, oh putain. Aïe aïe aïe. Allez. Oh là là, j'ai eu un petit lag, j'ai eu peur. Non, tu me rebalances pas tes flammes. Putain. Ça serait con de mourir là. Hop, ça passe. Impeccable. Ça passe encore. Putain. Ah, je vous jure que là j'ai les gouttes de sueur qui sont sur le front, tellement c'est compliqué. Ah, j'ai cru que... Oh non, j'ai cru que l'autre me balançait une flamme et j'ai sauté. Aïe, 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 aïe. Putain, je sais pas combien il y a de tableaux comme ça, mais c'est la misère. Putain, je suis prêt là. Il y en a un derrière moi, il va me bouffer. J'aime bien, je me retourne, ça change de décor. En fait, je devrais faire tout le temps ça. Allez, allez. Allez, hop. Ça va, je commence à maîtriser le double saut, je suis pas trop mort. Je meurs au troisième tableau, donc il va falloir que... je trouve le moyen de résister un peu plus longtemps. Voilà, ça passe. Impeccable. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je fais une petite pause. Allez, on est reparti. C'est limite, j'ai envie d'enregistrer avant. Ah là là. Bon. Je pense que... Non, je vais pas tricher quand même. Allez, on va essayer de se motiver. Enfin, quand je dis tricher, c'est un grand mot, c'est qu'avec un émulateur, on peut sauvegarder à n'importe quel moment de la carte. Donc ça permet de pas recommencer de nombreuses fois un tableau, que je trouve quand même assez pratique, parce que là,
C'est plus le troisième tableau qui m'embête. Donc je ferai une sauvegarde histoire de pas recommencer à chaque fois. Ça, je recommencerai au troisième tableau directement. Ça vous fera une légère pause sur l'écran. T'es prêt là, hein? Ah oui, bah, et maintenant je vais mourir au deuxième. Enfin, deuxième. Je me comprends, ça je le compte pas. Tra là là. C'est vraiment dur, hein. J'espère que vous me croyez. J'arrive de temps en temps à voir ceux qui volent et à les choper, mais... Comme là. Allez, allez. Je peux passer le deuxième tableau sans recommencer quand même. Allez, allez. Oh putain, j'ai eu peur. Allez, pause. On fait un petit, un peu. Je stoppe un petit peu et je sauvegarde. Ça veut rien dire ce que je veux dire. Allez, de toute façon, vous n'avez rien vu. On continue. On était au deuxième tableau. Voici le troisième avec les gros osios qui vont arriver. L'autre il me balance des flammes déjà. On s'est à peine rencontrés. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Ça c'était pas mal. Derrière toi, putain. Ah là 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 là. Oh là là. Putain, il s'approche vachement. Allez, tue le deuxième. C'est bien ça, c'est bien. Ah, dégage-toi. J'ai pas eu le temps de voir. Dégage-toi. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh. Allez, il me reste plus que ces deux-là à tuer. Il va me balancer quoi? Rien. Il a pas eu le temps. Wouah! Wouah! Oh putain! Mais ils arrêtent pas! Oh là là! Oh, je vais pas mourir là. Hein. Ah! Oh oui, c'est barré! Oh putain! Oh oui! Ah si, prends, Andy, prends. Ouais! Putain, ce que j'en ai chié! Et... Oh, il est mort, je crois. Les amis sont à la rescousse. Non, ne fais pas ça. Nous allons tous mourir. Non, tu vas mourir. Mais c'est la fin? Ah bah oui, je pense. Moi, je suis prêt à affronter le boss, moi. Je crois qu'Andy, il est plus là. Hein. Allez, prêt à affronter le boss là. Enfin, j'espère qu'il y a un boss quand même. Oh putain, ça fait flipper ces merdes. Ah, je peux pas tirer. Ah, je suis mort.
Bah, je vais faire que ça, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette merde? Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Alors je peux... C'est assez casse-couille quand on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il a une main. Alors je fais que d'esquiver pour le moment. Ça je peux y tuer. La main, on va faire attention. La main, j'aime pas. Ah ouais, la main, elle fait un tourbillon de fou. Ça dure combien de temps, hein? Oh, y a des loups. Et on peut taper la main ou pas? Si je tape la main, elle se... Elle me fait bobo. Elle m'écrase. Enfin, je dis c'est une main, mais je trouve que vous voyez autre chose, hein. Bon, la main, si elle est loin de moi, elle fait rien du tout. Et ça, ça fait quoi? Ça fait juste un tourbillon. Ça, on pouvait y tuer. En fait, je crois que je vais faire que d'esquiver. Voilà, la main, vas-y, fais ton tourbillon ou je sais pas quoi. Ok. Lui, il veut me choper. Lui aussi. La main suivie d'un truc. Tourbillon. Ouais, bon, j'ai pas que ça à foutre quand même, hein. Il y a un moment, faut arrêter, hein. Faut peut-être les taper, hein. J'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Voilà, comment passer 10 minutes sur un jeu sans savoir ce qu'il faut faire. Alors la main, il faut l'esquiver, hein, bien sûr. Mais et l'autre truc, là, il faut le taper. J'ai failli me prendre l'autre. Ah, elle m'a chopé. Je suis peut-être sur la bonne voie. Alors, donc, il y a trois types. Il y a la main qui vous écrase, la main qui fait le tourbillon, là, et l'autre truc qui sort du sol et qui vous attrape avec des picots, là. Donc ça en fait un de moins. Par contre, faut pas s'approcher après, hein. Faut vraiment le choper tout de suite. Et le tourbillon, je sais pas du tout à quel moment il est fait. Encore une main. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins d'ennemis? Voilà. Alors j'ai eu pas cette impression là, mais bon. Peut-être. Si, quand même, hein. C'est déjà un peu plus noir. C'est ça la fin? Tu as bien fait ta toilette? Tu t'es brossé les dents? Ouais, non. Whisky aussi? Ça sentirait quand même. Bonne nuit, mon ange. Fais beau rêve. Bonne nuit, maman.
Il est con, lui. L'autre, il a failli se faire bouffer des centaines de fois et il joue avec ça. Mon copain. Ami. Peinture magique. Peinture magique. Peinture magique. Peinture magique. Peinture Bah, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin du jeu. Cela aurait été un épisode vraiment court, bah oui, a priori. Vraiment court sur le gameplay, hein. Vous avez eu plus de cinématiques qu'autre chose, c'est bien dommage. En ce qui me concerne, je suis quand même un peu déçu de la fin. Je m'attendais à quelque chose, genre un petit boss quand même, ou au final... Le boss, entre guillemets, c'était les 4 tableaux de la fin. Un peu difficile, mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, en réessayant, on y arrive forcément. Et bon, bref. En tout cas, bon petit jeu, hein, que ça m'a fait vraiment plaisir d'y rejouer, parce que j'avais joué à ça quand j'étais gamin. J'ai dû arriver au monde... au moment de l'attaque des méchants sur le village. Après, ça avait dû peut-être me faire trop peur. Et oui, on se connaît tous quand on est enfant. En 98, je sais plus quel âge j'avais. Ouais, je devais avoir 9 ans. 9 ans, voilà quoi. À 9 ans, on a vite peur. Et bon, bah voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie tous, à tous ceux qui m'ont suivi sur ce Playfright. Du coup, je vais en démarrer un autre. Ce sera sans doute Abe, dont vous m'entendez parler assez régulièrement. Et puis, je réfléchis aussi à faire un playfright sur Diablo 3 en hardcore, donc je sais pas si ça peut intéresser. Si même des gens sont peut-être prêts à le faire avec moi, après faut voir, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans mes nouvelles vidéos, et puis passez une excellente journée. Bye !